Encourager l'artiste. Mich, bonsoir. Audrey Caramel, bonsoir. S'il vous plaît, pardon, Pataï. Vous savez que ma page ici, elle est restreinte. Dinas Page, bonsoir. Colonel, bonsoir. Mireille, bonsoir. Ouais, partagez nos. Mouton, le fédérateur. Comment mon petit, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Partagez-moi. Olivier Ojeti, bonsoir. Nicole MP, bonsoir. Fan club du couple Messan, bonsoir. Le papa des jumelles. Bonsoir tout le monde. Pardon, partagez le live, non? Vous savez, quand ma page est retirée, voilà pourquoi vous ne me voyez pas trop activé dans les réseaux sociaux. Flo Kunga. Les Dufy Bams. Les membres actifs du Bami Power. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, frère Kunga, tu es trop radical. Tata Wanda TV, bonsoir. Lo Orti, bonsoir. Reine des enfants différents. N'oubliez pas, abonnez-vous. Attends, je vais épingler la page. Là, c'est bien la reine Galois, comme tu es venu avec le profil. Là, c'est même. Oui. Voilà, abonnez-vous sur cette page. Si j'ai épinglé. Attendez, je vais épingler la page. Connexion lente. C'est la nouvelle page de la reine Galois. S'il vous plaît, abonnez-vous là-bas massivement. Les gens ont signé. Elle est victime de signalement de pages comme moi. Mais moi, je vais chercher une autre page. Nous irons maintenant à Fan Club Tata Lolo. C'est là-bas que nous allons faire les directs. Parce que là-bas, au moins, il y aura la monétisation. Santa TH, bonsoir. Bonsoir Hélène Steph. Bonsoir Francisca Marine Ganso. Comment non, Ganso? Tata Lolo, bonsoir. C'est qui? Bonsoir Fabiola Mafo Mafo. Sylvie Ténière, Massistou, bonsoir. Nous sommes déjà bien installés. Installez-vous. Installez-vous. J'ai dit que. Maman, je ne vois pas bien avec les lunettes, pardon. J'ai même mes lunettes claires. Voilà. Je reste avec mes lunettes. Pourquoi je suis sombre aujourd'hui comme ça, maman? Hey. Alors que je suis clair, hein. C'est comment? J'ai même mes lunettes. C'est quoi les lunettes noires la nuit? Linda Grasse, bonsoir. Virginie Muriel, bonsoir. Emerance, bonsoir. Yombi, bonsoir. Winnie Nunk, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Abonnez-vous sur la page de la Reine Galloise. Reine des enfants différents. Vous savez que la Reine Galloise a bas un travail vraiment. Il faut vraiment la soutenir. Les gens vont signaler sa page. Comment on peut signaler la page d'une femme qui fait dans les œuvres humanitaires? C'est terrible, vraiment. On ne s'encourage pas. Et vraiment, abonnez-vous tous ceux qui seront dans ce live. Le lien est épinglé. Reine des enfants différents. Allez vous abonner là-bas. Gaïa Tchapchet, bonsoir. Francisca Marine Ganso. Pauline Divine, Mich, Jiban, n'oubliez pas aussi de soutenir la page avec le PayPal. Hein. Vous connaissez le PayPal, Tata Lolo. C'est vous qui réclamez les émissions. Vous ne savez pas que les émissions, c'est un budget. Moi, je ne suis pas sponsorisé. Je n'ai pas quelqu'un qui me sponsorise pour mes émissions. Chaque sac, c'est moi, on a des émissions. Moi, on va faire les émissions comment? Oh, le maréchal pasteur supérieur est là. Mon maréchal, mon pasteur d'amour est là. Mon frère chéri est là. Le week-end était mouvementé. Le week-end était. Ma BS Mag la Rose, bonsoir. Merci Seigneur pour ton cœur. J'ai dit, hein, partagez seulement le live. N'oubliez pas de vous abonner. Aussi, allez soutenir Malox. Je vais envoyer un message à Malox. Malox. Je t'envoie ce message ici parce que tout le monde est maintenant derrière Prince Aimé. Tout le monde est derrière Prince Aimé. Mais vous avez oublié que Nyonyouna, bonsoir. Vous avez oublié que Prince Aimé. Quand il est arrivé ici en Europe, il a passé des moments très difficiles. Prince Aimé s'est retrouvé en train de dormir, de chanter dans le métro pour avoir de quoi manger. En Europe, ce n'était pas facile pour lui. Prince Aimé a fait un live où il a annoncé, il a dit aux Camerounais que ça n'allait pas sur lui. Moi, j'ai décidé de prendre Prince Aimé et de l'aider. J'ai invité Prince Aimé à Aubervilliers, soit il est venu là-bas. Il m'a raconté ses misères de bain. J'ai eu tellement mal, j'ai lancé le direct. Vous avez vu ce direct-là. J'ai soutenu Prince Aimé jusqu'au jour qu'il est entré dans l'avion. J'étais avec lui en ligne. Mais Prince Aimé, tu es arrivé au Cameroun. Tu es en train de remercier tout le monde, mais tu as oublié la femme qui était là jusqu'au dernier jour. Tu as oublié la femme qui était avec toi jusqu'au jour. J'ai entendu, tu as resté le nom des gens de la diaspora, les récupérateurs de la diaspora. Parce qu'il y a beaucoup là qui sont les récupérateurs. Et des récupératrices qui sont en train de récupérer le travail des autres.
Quand nous abattons le travail, elle vient pas aller récupérer le travail. Flo Chupinet, bonsoir. Elle vient pas aller récupérer le travail. Quand j'ai souffert cette presse, mais j'étais seul. J'ai lancé le litchi. J'ai bavardé jusqu'à vous simplifiez, même si le litchi est même sorti, même 100 euros. Mais nous avons eu la volonté d'aider notre frère. J'ai fait les directs de la Rosine de Nongo, ma meilleure amie, bonsoir. J'ai fait les directs où les artistes se sont levés, sont allés rendre visite à Prince Aimé chez lui. Les femmes m'appelaient, elles venaient de partout. On disait, le nom, je sors de chez Prince Aimé. D'autres même m'appelaient en sa présence. Il habitait à Père Lachaise. Il était d'abord dans un petit studio. Prince Aimé, c'est sûr. Il m'a dit, Tata Lolo, j'ai tout fait, j'ai convaincu Prince Aimé que ne pas pour Cameroun. Il m'a dit, Tata Lolo, je ne peux pas. Ici, même si on me donne même le chaos, je ne peux plus rester. Je ne suis pas à l'aise ici. Je ne suis pas inspiré ici. J'ai dit que je vais t'accompagner. Que Prince Aimé est venu me trouver à Aubédilier. Toute la nuit, je suis ensemble. J'ai bipé tout le monde. Je n'ai pas vu les gens qui l'ont signé là, c'est bien pour remercier là. Je n'ai pas entendu Prince Aimé appeler mon nom. Je n'ai pas entendu Prince Aimé appeler mon nom. Quand Lolo, merci. Quand je suis là, où les gens, les récupérateurs sont là, très sur Prince Aimé, les récupérateurs, les récupératrices des réseaux sociaux. Comme ils ont formé un clan qui veut avaler les gens. C'est moi-ci. J'étais assez épais, j'ai pas ressorti les vidéos, c'est tout sur ma page. J'ai dit que mon petit vient me retrouver au Bainvilliers. Prince Aimé ne voit pas, mais il s'est battu là, il va au Bainvilliers. Nous avons mangé, on a fait des commentaires. Il dit que papa, je n'ai pas beaucoup. Voilà un peu pour ton taxi. Il a pris son taxi, il est rentré. Je ne regrette pas le bien fait. Mais il dit que Prince Aimé a remercié les gens en diaspora sans appeler le nom de Lolo. Mais quand il est parti au Cameroun, les gens ont dit que j'ai marié son argent. Le lycée nous a dit presque 800 euros. J'ai eu des problèmes moi-même ici. J'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes parce qu'on a même coupé mes aides. Parce qu'on m'a dit que même quand tu fais beaucoup de litchi, j'ai envoyé. Les gens sont sortis pour dire que j'ai escroqué là de Prince Aimé. Quand il arrive au Cameroun, il dit que mon petit calme-toi. Ton argent va arriver. C'est parce que le litchi a bloqué ça. Le litchi, ils ont envoyé l'argent, j'ai envoyé à Prince Aimé. Prince Aimé a reconnu que oui, Tata Lolo, merci beaucoup. Il m'a remercié devant la télé. Il m'a remercié partout, il passe au Cameroun. Même après de longueur, il m'a remercié. Je ne peux pas mentir sur lui. Il m'a remercié. Mais quand il a son affaire, c'est sorti. J'ai vu les récupérateurs qui n'ont jamais rien fait pour Prince Aimé en diaspora. Amitié sur lui. Pourquoi tu venir voler le travail des autres? Je ne vais pas dire que Prince Aimé est un grand avec moi. Il a toujours reconnu que Tata Lolo m'a aidé, même quand il était au Cameroun, même quand il était avec Longuet, partout. Mais quand l'affaire de débordant, les coups vont commencer, comment on a dit que c'est à l'international? Les gens sont passés, ça grippait sur lui. Ça grippait sur lui, quand ils n'ont rien fait. Pourquoi mon nom ne passe même pas à côté? Pourquoi mon nom, on n'entend même pas parler de Lolo que j'ai travaillé? Prince Aimé, je suis fier, parce que il faut suivre son instinct. Toi-même, tu avais dit que tu rentres au pays. Et tu as vu que le pays te sourit. Si tu étais peut-être resté là, peut-être que quelque chose devait même t'arriver ici, là, tu as bien fait. Parce que le gars a dit que non, lui rentre lui. Il ne veut plus t'entendre parler de bain. Même si on lui donne même le kaolo, quand il reste avec le kaolo, lui part. Tu as bien fait, tu as suivi ton instinct. Aujourd'hui, tu es bien. Regarde comment tu es devenu célèbre. Si tu étais resté en Europe, est-ce que tu devais avoir tout ça? Mais n'oublie pas que Tata Lolo est là. Quand tu seras milliardaire, pense à moi. Quand tu seras milliardaire, pense à moi. Que les intrus, les gens qui sont venus, les gens de la diaspora qui veulent arrêter te détourner là. Dis-le que jamais la banque était avec toi pendant cette année avec Betty le Kamik et Tata Lolo qui parlait à ton nom. Tu leur dis que je ne vous connais pas. Je n'aime pas les récupérations, je ne vous connais pas. Les gens que je connais en diaspora, c'est Tata Lolo et Betty le Kamik. Voilà les deux personnes que je connais en diaspora. Que étaient là pour moi. Arrêtez de faire les récupérations, de faire continuer, on ne travaille pas. Alors que les blogueuses, elles abattent un travail énorme. Vous voulez tout nous faire comme si nous sommes les enfants. Vous avez vu, vous voulez tout nous faire comme si vous voulez nous rejeter. Faire comme si nous vraiment, on n'a pas d'importance dans ce que nous faisons. Non, on a d'importance. Nous influençons beaucoup les gens. Je suis fier que Prince Aimé est partout. Allez encourager Malox. Malox a fait une sortie patriote, toujours les haineux. Christian, Ngango, oui. Pendant que je ferme la porte ici. Hein? Oui. Toujours les haineux dans la. Ferme la porte ici, papa, par exemple, le voisin là. Toujours les haineux dans la récupération. La récupération du travail des autres. Arrêtez ça.
Nous sommes fatigués de voir faire. Hein? Prince aimé, nous sommes vraiment ici de tout cœur avec toi. C'est là que tu me mets l'intention que tu vas oublier Tata Lolo. Tu dois penser à moi. J'étais là pour toi. Betty a été là pour toi. Tu n'attends pas ton merci, tu n'attends pas. Mais quand tu auras ta part d'argent, passe à m'envoyer un peu. Voilà Malox qui a fait une sortie patriote d'ici là. C'est tous les Camerounais qui insultaient Malox. Vous partez maintenant courir pour aller. C'est tous les Camerounais qui avaient insulté Malox. Oh oui, Malox a fait ceci. Oh Malox a fait cela. Oh Malox a fait cela. Voilà le travail de Malox qui a payé. Parce que tu es en train de vous sous-estimer. Un Camerounais a osé me dire dans le par exemple, il fait le commentaire chez Malox que tu es le king. Un Camerounais m'a dit que hypocrite. J'ai dit pardon. Mais attention, on fait la balance. On met des bordels du Koufa. On met Malox. Je vais prendre Malox. Malox est venu me soutenir à ma télévision. Malox, malgré tout ce que l'acharnement qu'il y avait l'année dernière. Les humiliations. Malox n'a pas regardé ça. Il est venu malgré tout dans le jeu. Je vais te soutenir à ta télé. Malox, c'est pas n'importe qui. C'est un propriétaire. C'est un gars qui a bourrement l'argent. C'est un grand artiste. C'est le king de la musique camerounaise. Il n'a pas regardé son statut. Il est venu. Il est resté à mon émission 2 heures. Nous sommes partis au restaurant. Il a repris son taxi devant moi. Tu as vu tout le respect qu'il a eu, envers moi. Je ne dois pas supporter Malox, je ne dois pas supporter des bordeaux. Des bordeaux du couvre-moi, ils sont parentés. J'aime bien des bordeaux du couvre, mais jamais. Si un choix à faire, je ne discute avec personne. Je prends Malox. Des bordeaux, c'est quelqu'un que j'adore, sa musique et je respecte beaucoup. Mais si un choix à faire, je vais prendre Malox parce que c'est Malox qui est venu me soutenir. Et il m'a tout donné mon respect des grandes sœurs. Et il a fait un bon discours. Comme les Camerounais, vous avez peur d'affronter les chocs. Et si les mes amis voyaient. Il a dit ce qu'il pensait. Il a dit que nous devons être patriotes. Nous devons pas nous défendre. Il a tapé la main sur la table. Que nous aussi on peut. Et voilà le résultat aujourd'hui. 4 millions de vues. Malgré les pirates. Malgré les trucages. Malgré les signalements. Allez massivement cliquer le lien de Dijan. C'est comme ça que nous allons faire dorénavant. Soyons patriotes. Et ceux qui viennent dire à Malox que la prochaine fois, il faut aussi dénoncer. Quand il faut dénoncer, il faut aussi que. Je n'ai pas envie d'entamer le côté là. Malox, bravo, tu as rêvé l'esprit patriotisme qui avait entre les Camerounais. Les Camerounais sont unis. Comme les enfants d'un même père, du même mère. Auprès de ce signe que tu as sorti là. Mais au départ, ils avaient. Maintenant, comme ils ont vu qu'il y a un succès. Il ramène maintenant que oui, quand tu auras quand il faut dénoncer au Cameroun, il faut vraiment que nous mobilisons ensemble pour faire la même chose. Parce qu'ils n'ont pas cru en toi. Maintenant, pour détourner l'attention des Camerounais, il veut maintenant toucher le côté sensible des Camerounais pour te jeter la verdict populaire. Il faut arrêter ça. Chacun a son choix. Oui. Chacun a son choix. Vous devez trop détourner les gens. Comme Malox, vous n'avez pas cru en Malox au début. Vous n'avez pas cru que les Camerounais devaient suivre le concept de Malox. Comme vous n'avez pas cru que les Camerounais devaient adhérer à ce concept. Au départ, vous l'avez insulté. Vous l'avez dénigré. Moi-même, vous m'avez insulté sur son mur. Une fois que le concept a pris et que les Camerounais ont dit que non, nous sommes derrière Malox. Au lieu d'encourager, vous avez dit que oui, pour que la prochaine fois qu'il y aura un truc au Cameroun, il faut que nous ayons la même mobilisation pour dénoncer. Pourquoi? Pourquoi? Il est libre de le faire, il est libre de ne pas le faire. Il est libre parce que vous êtes senti, vous êtes déçu. Vous avez mal dans vos cœurs parce que Malox a réussi ou vous avez échoué. Vous avez voulu détourner Malox de vous pour dire que les Ivoiriens sont plus forts que les Camerounais. Que les Camerounais ne peuvent pas faire 4 millions de vues. Que c'est impossible que les Camerounais ne peuvent pas faire ça. Que les Camerounais ne vont pas suivre Malox, que Malox est un fou. Une fois que Malox a réussi son pari, vous venez maintenant dire aux Camerounais ou Malox que pour toucher le cœur des Camerounais qui veulent à tout prix le changement, que pourquoi la prochaine fois qu'il y aura quelque chose à dénoncer, il faut la même mobilisation. Chacun a son combat sur terre. Voilà Donald Trump qui est devenu président. Chacun a son combat. Chacun choisit son couloir. Vous avez choisi vos couloirs, Malox a choisi son couloir. N'aisez pas les enfants des gens. N'envoyez pas les enfants des gens dans le tout. C'est comment? Malox est un king. Il a monté aux Ivoiriens que les Camerounais sont. Mais ils ont peur de nous, mettez là. J'ai bavardé, tu es maman, ta maman, tu as compris, non? Bouf qui d'abord? Tu bavardes, tu vas écouter le bavardage, chouane. Quand ça ne vous arrange pas, quand moi, sa tête percée. Tu aimes ouvrir même ta gueule de porc là, si tu es malade.
Félicitations, Malox, vraiment. Je crois en toi, j'ai toujours cru en toi. Je suis trop fan de toi. Surtout quand tu es mon beau-fils. Parlons partagés. Vous savez que ma page est trop restreinte. Nous allons parler des choses. Nous allons commencer par la soirée de ma soeur, Fleur de Lille. Vraiment, chers followers, chers abonnés, je préfère d'abord laisser la parole à ma soeur parce que c'est elle qui était l'organisatrice de cette soirée. Mais je vais dire un mot vite fait sur cette soirée parce que je n'ai pas vous menti que je n'ai pas bu 3 verres de champagne dans cette soirée. Mais la joie que j'avais en moi, je ne sais pas où ça sortait. J'étais tellement contente. J'avais envie de danser. J'avais envie de me défouler. Parce qu'il y avait quelque chose que je n'ai jamais, je n'ai plus jamais vu en diaspora. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette unité entre les Camerounais. Cet amour entre les Camerounais. On n'avait même pas besoin des artistes. Parce que ce que j'ai vécu là-bas, c'était comme une réconciliation en diaspora entre les Camerounais. C'était la réconciliation des Camerounais en diaspora. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un dynamisme comme ça là. On n'avait pas vécu, on ne s'est pas retrouvé dans une même salle sans qu'il y ait débat, sans qu'il y ait un dégât, sans qu'il y ait l'autre regarde l'autre mal. Tout le monde était valorisé là-bas. Tout le monde avait sa place à cette soirée-là. Tout le monde était content d'y être. L'ouragan est passé. L'ouragan, c'était une soirée des retrouvailles. C'était une soirée des gens que les Camerounais se sont déchirés pendant des années. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver à l'ouragan de la Maf aux Fleurs de Lune. C'était un peu ce que nous avons vécu là-bas. J'ai vu les gens, vraiment, j'ai même vu Jipper Romingono. Quand il va aller saluer Jipper Romingono, tout ça, on m'a déjà tiré là-bas de l'autre côté. J'étais même déjà en mode que, ouais, pardon, je vais aller saluer Jipper. Aujourd'hui, je vais aller saluer Jipper Romingono. Quand j'ai regardé ici avec sa femme, quand il me retourne, on m'a déjà arrêté la main pour m'amener de l'autre côté. Quand je reviens en position, je le prends Jipper, je ne vois plus qu'il est à partir. Il dit que, ouais, j'aurais quand même eu cet honneur-là de saluer le grand journaliste Jipper Romingono. Il y avait les Karine Richaud. Il y avait tout ce monde-là. Les Camerounais, il y avait le couple Messan, il y avait le couple Amote, il y avait le jeune de Château d'Eau, il y avait les filles qui venaient des États-Unis, de l'Hollande, de la Norvège, de partout. Il y avait les Camerounais de toutes les ethnies. Il n'y avait pas que les Bamidekés. Il y avait les Camerounais de toutes les ethnies. Je m'adresse aux tribalistes là. Les tribalistes, c'est ceux qui n'ont pas encore digéré l'arrivée de l'ouragan à Paris. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous allez vous aligner dans les réseaux sociaux. Parce que vous avez la haine en vous. Quand vous êtes dans le social des Bamipas, c'est un problème. Mais ça rentre avec la musique Bassa. Mais ça rentre avec la musique de chez lui pour montrer que je suis un Bicor, je suis un Bassa. Je représente mon ethnie. Ça n'a dérangé personne. Et c'était très beau à voir. Moi, je suis avec les Bamipas. Parce que je suis Bamileke du Cameroun. Ça change quoi? Les Bassa se sont levés. Ils ont dansé Bamipas avec moi. Les Bédis se sont levés. Ils ont dansé Bamipas avec moi. C'était le vivre ensemble. C'était beau à voir. C'était beau à voir, maman, depuis que je suis en diaspora. Ça faisait longtemps. Je n'ai pas vécu un moment plein d'émotions comme ce que j'ai vécu ce samedi dernier. J'ai dit, waouh, que c'est beau de voir tant de monde. Tu vois comment les Camerounais m'embrassent, ma soeur, tata Lolo, Aïa, la femme des boulous. J'ai dit, ok, tu es boulou, elle dit que maman, je suis fille boulou. Je dis, on s'embrasse. L'autre dit que tata Lolo, c'est comment? Mais Lolo Mania, basta. C'était quelque chose de très émouvant. Florine a réussi à réunir toute la diaspora dans une seule salle, sans regarder que, oh, tu es Kanto, tu es Papol, tu es Cabral, rien. Sans regarder les ennemis, les bandes de tribales assises sur la toile, elles sont incapables de faire quelque chose. Elles commencent à dire que c'était la soirée des Bamileke. Quelle soirée des Bamileke? Gilles ont bien Bamileke. Son petit frère qui vient de l'Angleterre est Bamileke. Les gens sont partis de partout. C'était plein à craquer. On a même chassé les gens. On a poussé les gens dehors que partez sur vous. Ils ont dit qu'ils ne partent pas. C'était beau à voir. C'était quelque chose que, normalement, vraiment, le Dieu, l'ambassadeur du Cameroun doit nous appeler pour nous remercier. Parce que s'il appelle ma femme, je dois être là. Parce que c'est ce que nous voulons, nous, les Camerounais. Nous voulons continuer à vivre ensemble, s'aimer. Comme on s'aimait avant. Elle a réussi ça. Le couple en mode très élégant avec son épouse, Madame Jaguar. Il fallait voir du beau monde, des belles femmes. Toutes les femmes étaient rayonnantes. Elle s'assied là, elle est tuara. Dans l'obscurité, dans le noir, elle veut décortiquer les habillements des filles qui avaient des robes Givenchy. Des idiots qui ne peuvent pas s'assumer, qui refusent leur visage. Leur visage après les caméras, ma voix est partie. J'ai envie de vous laver, je ne venais pas la voix. Vous avez vu l'arrivée de Tata Lolo?
Quand on parle de star, vous avez vu la star qu'on appelle Tata Lolo? Tata Lolo Tidi? Vous avez vu la star, Maya de ça? Quand je suis entré, moi-même, j'ai eu peur. Mes pieds tremblaient. Je vois comment il s'est. Toute la salle s'est levée. Je dis que toute la salle s'est. Les gars n'ont même pas bien filmé. Les caméramans n'ont pas bien filmé. Toute la salle, même ceux qui ne sont pas déplacés de leur chaise, ils étaient debout avec le téléphone. C'est toute la salle qui avait le téléphone en l'air. Qu'on filme la star, Tata Lolo. Mère de maman, maman, c'est bon. Maman, c'était un dolé crevette, maman. Maman, les gens se sont levés. Quand on a dit que quand on parle de mamie, on parle de qui? Les gens qui étaient Tata Lolo, maman, oh, la star. Oh, le guato. Oh, les pleurs, oh. Oh, les pleurs, oh. Oh, les pleurs. Les gens, Tata Lolo, maman, Tata Lolo. C'était grave, parce que les bleus ici sur mon corps. J'ai encore les bleus. On m'a attrapé de partout. Une belle soirée. Au lieu de féliciter votre soeur, que maman tu as fait, on a vu. Vous ne félicitez pas. Vous avez pas vu que votre, la soirée de l'année dernière, il n'y avait pas le même engouement, il n'y avait pas la même émotion, il n'y avait pas le même mouvement, il n'y avait pas la même chose, parce qu'il y avait que des haineux autour d'elle. Quand Dieu réunit ses enfants qui s'aiment pour de vrai, tu vois le résultat. Tu vois le résultat de cet amour-là. Je sais que je n'ai jamais, ouais, depuis que je suis en diaspora, ouais, c'est la première fois. Je n'arrive pas à croire. Je dis, Seigneur, les gens se sentent doux. Ils disent, mais ils m'embrassent. Tata Lolo, je suis Nolomania. Je viens de la Norvège. Je suis avec toute ma famille. Tata Lolo vient sur ma table. J'ai même trouvé mon cousin. Mon cousin direct, ça fait peut-être 7 ans, on ne s'est pas vu. Il m'a vu là-bas la soirée, là, avec sa femme. Le monde était. Et tout le monde s'embrassait. La joie de ça. Les accolades. Les ceci. Il n'y avait pas que Tantina, Sardina. Vous venez diviser les Camerounais avec votre sorcellerie là. Passez-le avec ça. Les Camerounais se sont aimés. Et les Camerounais ont montré mon assis que nous pouvons être ensemble dans une même salle. Même si on ne sont pas d'accord sur certaines choses. Les Karine Richaud, elles étaient là. Les Marc La Rose, elles étaient là. Et toutes ces filles-là, toutes les blogueuses, même du Camer, étaient là. Le pasteur supérieur était là. Réven Biaï était là. Lydie Fokker, il y avait plus qui c'est qui. La reine de l'Omba, Lydie Julie Loé. Tout ce monde de la maman, je vais citer qui, pour ne pas créer les polémiques. Madame Sœur, tu as réussi. Succès total. Bravo. N'écoute pas les bavardages du quartier. Les filles qui ont dormi dans les comptoirs. Les filles que leurs vies sont toujours avec la haine, toujours en train de saquer, toujours en train de... Elle dit que moi j'ai plus bien Maman Lily. Moi plus bien Maman Lily. Maman Lily avait son masque. Si Maman Lily vient même devant moi, je ne vais pas la reconnaître. Même si on me montre, si Maman Lily, je ne vais pas la reconnaître, je n'ai même pas vu son visage. Vous voyez quelqu'un avait le masque, elle a plus bien, on a plus bien quoi. On a plus bien quoi, c'était même pas elle. On a fait le buzz, vous êtes tombé en sourire. Tout ça parce que vous voulez cogner les têtes des gens. On voulait que sur le mur de Berlin, on a nourri les crânes avec l'huile, le tafoukou, le taf maïs, on a déposé. Ça, c'est terminé. Et vous voyez les conséquences de l'ouragan. Voilà, la veuve Atiko qui est là-bas assurée, elle pleure déjà tous les jours. C'est l'ouragan est passé. Elle pleure. Elle a fini, c'est que Aya Maria, Sango Yesuso, Aya Maria, que la soirée se gâte pendant un mois de jeûne. Elle est où? Si j'étais avec nous, idiote. Si j'étais là, je devais ramasser au moins 50 personnes, même sans le moment, elle allait là-bas dans le Ganda, là, on mangeait même des articles pour te faire plaisir. Tu as voulu faire le bois de fer. Tu as voulu faire le King Kong. Hein? Ensemble, nous sommes plus forts. Donc, tu n'as pas de mari que tu as prié depuis un mois là. Ça n'a pas agi. Oh, Aya Maria. Même quand son mari est mort, elle n'a pas pleuré comme elle a pleuré pour la fessie. Elle pleure quoi? Tu pleures quoi depuis? Ma faute te dépasse, tu ne peux pas avoir l'impact qu'elle a dans la société. Même dans le monde du bloc, tu ne peux pas. Mais rabaisse-toi. Viens ramasser les deux, viens même balayer la maison, te donne quelque chose chaque fin du mois. Tu veux montrer que je suis une fille pour le cycling, je suis une fille pour le cycling, tu veux fille pour le comme toi. Une nabo qui sort les par lesquelles tu du Cameroun, elle est facile à la chose de Jésus sur la terre, elle fait la prière pendant un mois. Mais sa soeur ne veut pas. Ça sert comme pour réconciliation. Tu vas venir commander les gens, les vieilles femmes comme nous. Tu crois que tu es qui? On va mettre les chansons de Dieu. Aïe Maria, Aïe Maria, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Antizamba, oh Antizamba. Depuis un mois, Antizamba n'a pas agi. Chouane. Mof!
Oh, maintenant nous sommes dans les panneaux partout. Oh oui, la soirée c'est la réunion du village. Allez faire pour vous de réunion du village, on voit. C'est interdit de faire la réunion du village. Allez faire pour vous votre réunion du village, on voit. Oh, c'est la réunion du village. Allez faire pour votre part de meeting du village, on voit. Ouais, est-ce qu'on vous donne le lait? Allez faire votre réunion du village. Oui, on a fait la réunion du Bami Power. Allez faire pour vous, on voit, on va vous accompagner. Allez faire pour vous. Quand ça vous dépasse, oh, c'est la réunion du village. Allez faire votre part de réunion du village. Il y a un problème. Allez faire. C'était avant que le monde nous faisait peur que oui, on va dire que j'ai dit que allez faire pour vous le Bami Power. Nous, on a fait pour notre Bami Power samedi. Ça a pris. Les Camerounais qui ne sont pas Bami Power. Les Camerounais, les Bassa, ma fille, Lydie Gaël Bayan, elle est Bassa de Pouma, elle était là. Liberté, la chancelle, elle est assise à Washington, le monument. Elle était là, c'est les filles du Mungo. Elle était là. Tout ce monde là, elles sont venues pour Bami Power. Nous, on viendra pour vous. Allez, font voir. Ah, c'était la défaite. Comme a dit votre boss lady, votre patron a dit que donna à César ce qui appartient à César. Femme de citation, vous voulez la valer pourquoi? C'est elle qui vous paye. Hein? Elle n'a pas besoin des employés, c'est vous qui avez besoin d'être recruté. Elle n'a pas besoin des employés parce qu'il y a plein de gars ici là qui sont, qui cherchent à être gérés. Elle peut vous balancer du jour au lendemain pour une autre blogueuse, elle devient son égérie. Elle a dit que, j'étais même fâché contre maman, je suis plus fâché. Donnez à César ce qui appartient à César. Elle vous a basé son visage, top 5, aura. Il y a quoi? La vie, c'est les opportunités. Si elle peut dire qu'elle gagne même ses 10 clients, parce qu'on dit là, c'est le parti politique des Yamseurs dans les réseaux sociaux, et qu'elle a les clients du parti politique des Yamseurs, elle va perdre l'argent par rapport à vous. Mais attends, il faut être bête pour réfléchir comme ça. Elle a déposé les armes. L'ouragan a fait des effets. Voilà une autre qui dit que l'ouragan est passé chez elle. Elle est venue s'asseoir faire le menu du restaurant. Quelqu'un n'avait pas encore signé le bail d'un restaurant. Elle fait le menu, il y aura le bongo. Il y aura la checker des Ivoiriens. Dans les toilettes de mon restaurant, il y aura les tables comme ça. Les servants vont s'habiller comme ça. Je vais acheter les marmites comme ça. C'est tout l'ouragan, hein. C'est les effets de l'ouragan. Les effets de l'ouragan vont nous parler d'un restaurant qu'on n'a même pas encore signé le bail. On n'a même pas encore l'emplacement. Mon collègue, est-ce qu'on va préparer dans le restaurant là? Le menu. Attendez-vous dans le menu. Il y aura le menu. Il y aura la checker. Je connais après, il y aura la checker. Il y aura la sole. La sole va venir du Cameroun. On va mettre le père, le sel, le citron. On va laver. Aïe. Ah, l'ouragan, c'est quelque chose. On va mettre le sel, on va te frotter comme ça. Là. Vous voyez, non? Quand mes clients vont manger, mes clients vont bien manger. Vous savez que les clients, c'est les toilettes, non? Nous allons arranger les toilettes. Il y aura tous les parfums. Maman, le bail. Le bail du restaurant est où? Toujours les effets de l'ouragan. Voilà, veuve assurée qui pleure. Elle n'a perdu personne, le deuil tous les soirs. Tous les effets de l'ouragan. La patronne est sortie, elle a tapé un poste. Les effets de l'ouragan. Hey! Oh, maman, la fille de maman. Là. Ah, ma maman, allez, sois un beau, ma maman. Ouloulouloulou. Le tout, c'est ma gagne. La chèvre du village. Je vous ai expliqué ici que nous allons chasser tout le monde, mais nous n'allons pas chasser notre chef. Dans les chefferies, on a toujours besoin de la chef. La chèvre de la chefferie, on vous chasse tous, on laisse la chèvre et le chien qui aboie. La chèvre va rester à la cour de la chefferie, on va fermer la barrière. Voilà, pas de chèvre là-bas qui est au Canada. Depuis qu'on a détaché la chèvre, on ne respire plus. La chèvre dans tous les palais, femme mariée. Voilà, j'ai dit que Christian Babalé, Balthazar devait passer sur ta femme là. Balthazar devait passer sur ta femme là. Parce que c'est une gars qui ne joue pas. On ne la bouille pas bien. Voilà les effets des femmes qu'on ne bouille pas bien dans les maisons. Elle est devenue pala-pala. La chèvre du village se balade dans tout Facebook. On va faire comment pour attraper son pied. Juste même dans la barrière, on ferme la chefferie. Ha! Massa! La femme, c'est on te bille. J'ai qu'on a fait. J'ai qu'on va faire. On va t'enfermer. On va te chasser. Tu es la sœur du village. On va t'attacher. On va te mettre dans la chefferie. On va fermer la barrière. La chèvre du village, on te laisse encore. Tu vas l'avoir pu. Tu vas errer comme errer. Après, on va te récupérer. Le moment venu. On va te récupérer. Ouais, elle est dans tous les panels. Oh, maman, la chèvre est devenue styliste. La chèvre, tu connais d'habiller. Banaloba, je suis dépassé. Je dis, hein, la chèvre, quand on me parlait d'habillement, quand une fille veut se placer, me parler d'habillement, attends, le toit, la chèvre du Canada, la chèvre de la chefferie, qui porte 60 ans, je suis. Tu peux parler de l'habillement devant moi. Parle-moi de ta calabo du Canada.
Tu peux dire que tu as une calabre de calendrier que tu as conçu. Tu peux essayer d'accepter ça. Mais tu peux parler de l'habillement où la fille du comme la fille de monsieur de justice parle. Tu peux. Tu t'es regardé. Et vu qu'il a dit à Dorcas que tu t'es filmé avec Lolo un jour. Ouais, c'était un palmarès, c'est pas pris une photo avec moi. Tu peux parler à faire. Tu peux critiquer une femme de la fête de l'habillement. Tu as apporté quel bon habit on a vu. La chef de la chefferie. Tu m'as apporté quel bon habit on a vu. Il fallait me voir. J'avais une robe Givenchy. La classe de ça. Quand tu vois d'abord le tissu qui parle. Je sentais bon. Même ma peau, tu vois que la peau du bébé. Comme c'est la peau, il fallait voir ma peau, je chale. C'est vraiment une villageoise, pour ça que c'est Yamsa qui a lavé ça. Elle se sent en cicatrice. La zone des fous au Canada, on a récupéré ici là. Oh oui, ma foi, je suis ta chèvre. Ma foi, je suis ta chèvre. Oh ma foi, je suis ta chèvre. C'est toi qui vas me payer d'habillement. Tu peux me payer d'habillement. Avec ta consoeur là, je ne vais pas donner l'audience ici parce qu'elle ne mérite pas ça. Elle est dans le noir parce qu'elle est dans le noir comme moi. C'était très belle la chèvre. Et au fond de toi, je t'ai dit que tu étais belle. La chèvre, tu peux aussi critiquer. Tu peux parler de l'habillement de Lolo quand Lolo parle, ma. Hey! On banale, la folie, c'est quelque chose. Ma, il faut qu'on t'injecte quelque chose. La chèvre de la chèvre, tu s'est habillée. Tu as porté un bon habit dans ta vie. Tu pleures. Viens demander pardon à la chèvrerie, on te récupère. Arrête de faire semblant de nous détester. Tu nous adores, mais tu veux seulement faire le King Kong. Te voilà. On a un zoom dessus. Tu zooms de partout. Faut l'avoir dans les yeux des gens. Ton mari te pine quand, ma. Ton mari te pine quand. Quand est-ce que ton mari monte sur toi? Hey! On les femmes terriblement mariées. Terriblement en détresse. Terriblement nos jouissances. Une femme qui jouit ne peut pas se pavaner comme ça. Une femme qui jouit au moins 5 fois par semaine ne peut pas se pavaner comme ça. Tu ne bues pas. Balthazar devait passer par toi. Je ne sais pas pourquoi il t'a pas loupé. Balthazar, je dis qu'elle est venue chercher Balthazar pour toi. Mais la fois, si tu ne suis pas, ton mari, qu'est-ce qu'il devient? Moi, je suis dans le Djomba. Le vieux reste. Voilà pourquoi vous dites, avant de vous aller vous marier, prenez le temps de réfléchir. Chacun prend sa route, ça regarde derrière. Toi, voilà qui est attaché à la maison au Canada. Tu es chèvre partout. Même dans la maison au Canada, tu es la chèvre. Tu vas tuer Babalé, l'autre le tue là, on pointe le nom du doigt. Quand il marche au Canada, on le pointe du doigt. On le pointe du doigt que voilà le maïs de la chèvre. 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 Ya! Arrête de souiller le type là. Même quand tu es parti ramasser le monsieur, je le tue comme un cobaye au Cameroun. Il a quand même 1m90, c'est un bel homme. Il vendait lui ses amis d'abord dans une grande famille comme Babalé en Gaoundéré. Une grande famille. Tu salis l'image de la famille là. Tu pavales partout. Tu es crochet les yens, tu nous appelles les wakai, tu parles de nos affaires. Tu peux vendre le piment toi. Hein? Même le kiyama, tu vas voir tes pieds, va fuir. Ouais, Lolo, man. Ouais. Je dis, hein? La chèvre, tu peux vendre le piment. Le client voit tes pieds dans les bottes. Ouais. Ouais. Pardon. La reine des abeilles. Ouais. Ouais. La chèvre, quand je te regarde, tu peux m'en le. Ouah! J'ai vu les pieds de la fille à l'Olympiade. Hey! J'ai gagné ses pieds à l'Olympiade que ma. Parlez pas là, hein? Je suis étouffé, pardon. J'ai vu les pieds quand même, Mariam, celle à le cœur. Elle t'a amené avec elle dans les endroits, ma. J'ai vu les pieds de la chèvre à l'Olympiade que, hey! L'angassi, il s'est fait qu'on dit qu'il est bon de gars. Et il fallait voir les talons, les gros talons derrière. Et c'est la chose là qui me s'appelle qu'elle veut critiquer les habits des gens. Oh, c'est la. Mayam Sœur va parler d'abord. Mayam Sœur parle vendredi. Je vais venir vous clasher samedi.
Tu veux dire que vraiment, et on s'est Orange Money, quel Orange Money? On t'a dit qu'Orange Money sponsorise une soirée. Bon, va aussi faire ta part, Orange Money vient sponsoriser, on voit. Fais ta part. Tu n'as pas honte. Une fille baladée. Vraiment, tu as la honte. Tu peux prendre le piment, même ta tête. Le cœur va croire que maman il va voir seulement ta tête. Le cœur va prendre le marathon, il va crier qu'il a vu le fantôme. Seulement ta tête. Oh, je suis trop belle. Les femmes m'ont baisé. Taïta Koutè, bonsoir. Elle vient critiquer les habits, les gens parlent, elle dit qu'elle était assise sur les pieds d'amour. Que Django doit faire attention, dès que je suis comme ta copine qui a roi là, qui arrache les mailles des gens. Tu as pris un jour qui a arraché le maillot de quelqu'un. On dit que je suis comme la fille de roi là qui a arraché le maillot de sa copine. J'ai ma, la première fois m'asseoir quand même si j'ai mis bang. Ah moi c'est mon beau frère, tu pleures la place là. Ils t'ont chassé. J'étais assise quand même si j'étais que collé sur lui, quoi. Tu n'as encore rien vu. Tu pleures pourquoi? Tu rêvais la place là. Tu as mal que je suis assis sur les pieds d'amour. C'est ton mari. Va défendre les pieds de ma balle. Laisse les pieds de mari de Jaguar. Elle est gênée quand je suis assis à côté de son mari. Voilà les intentions. Depuis que tu es en Europe, aucun homme t'a dragué. Un homme t'a dragué dans le camion à Lyon. Ta première fille, son père t'a dragué dans le camion. Dans les gandas, après elle a fait la bordellerie. Tu es parti où tu es allé t'accrocher sur l'enfant de tu vis. Hein? Oh, Baba Léo. Tu es allé t'accrocher sur le gars là. Comme la censure. Tu as depuis que tu étais né. On t'appelait une gymnastique à l'école. Tous les gars te fuyaient. Aucun gars n'avait écrit une lettre d'amour quand tu étais à l'école. Que comme nous on a vécu, que quand on était jeune là, les gars nous écrivaient les petites lettres d'amour pour lancer comme ça en haut. En vraiment, tu prends et il a écrit que je t'aime. Tu n'as jamais connu ça. L'amour scolaire, tu n'as pas connu ça. Tu vas ramasser la voix de tu l'amènes au Canada. Il a porté, il t'a fait un enfant. Assois-toi, tu t'occupes de ton mari, jamais. Même au tiens, on dit que le mari de la chèvre, quelle honte. Le mari de la chèvre, même quand on dit que le mari de l'écarteur, c'est écarteur, c'est que je suis parti bouille, j'ai écarté, tout le monde écarte. Moi, je vois le mari de la chèvre, voir le mari de la chèvre, quelle honte, maman. On appelle le mari de quelqu'un que le mari de la chèvre. Tu ne vas pas te calmer, tu ne vas pas fatiguer. C'est quoi? On t'a fait quoi? Je te dis que je ne peux pas te jeter. Tu es ma âme sœur du village. Je vais te déposer là. Je vais te détacher. Je vais te mettre à la cour de la chapelle. Je vais fermer la porte. Le reste, il peut même partir. Je ne peux pas te jeter. C'est quoi? Tu as fait le tout, oui. Elle n'a rien reçu. La télé où? Tu n'as pas de grit à l'ombre où? Tu as lancé le concept Moussunga que tu as volé. Ça n'a pas marché. Tu as lancé Guita Love, ça n'a pas marché. Tu as dit que tu vas vendre les Guita, ça n'a pas marché. Oh, les soirées, tu ne fais plus. Tu fais alors quoi d'internet? Tu n'as pas honte? La jalousie va vous tuer. D'autres ont fait le direct. Il y a une autre qui a fait le direct, je suis là chez la Lyon. Oh, elles ont fait la soirée des Bamileke. Elles ont fait la soirée des Bami Power. Nous avons fait la soirée des Bami Power. Allez faire pour vous. Celui qui n'est pas content, Mami Power, connaît la porte, il sort, il part. Ce n'est plus un débat. Nous allons tous nous respecter. Tu es bêtis, tu dois respecter la tribu bêtis. Et chaque Camerounais doit respecter la tribu de l'autre. Chaque Camerounais, le Bassa, c'est un Camerounais. Le Bamleke, c'est un Camerounais. Le Batanga, c'est un Camerounais. Et chacun doit. Celui qui ne respecte pas, on entre sur toi. On t'avale. Ça ne choque pas. Et on va encore faire le coup doux, le coup triple, parmi pour l'année prochaine. Allez vous pendre, c'est comme ça. Elle fait pour vous. Tu as la chaleur, elle est dans le noir. Oui, elles ont fait le marché des villages. Elles ont fait le marché des villages. Elles vont être là-bas. Maman, pam. Je dis, bois la cidre, tu meurs. On finit avec toi. Bois la cidre. Bois la cidre, tu meurs. C'est rien que le début. Hein. C'est quoi? Bois la cidre. Chouane. Langa travaille pour sa soirée. Le monde entier a vu. Nous avons vu comment elle montait. Nous, on a travaillé sur Internet. On a multiplié les produits, nous l'avons soutenu. Mais c'est vrai que ça avait que nous avons échoué. Maintenant que c'est un carton plein, oh, c'est la soirée des Bamileke. Il y avait les écans, il y avait tout, mais les Ivoiriens. Il y avait les Béninoises, les Togolaises. Il y avait tout dans la salle là. Vraiment, je vais remercier tous ceux qui ont pris le déplacement de venir à cette soirée. Vraiment, vous avez montré au monde entier que les Camerounais de la diaspora sont encore soudés. Que nous aimons.
Vraiment, merci à tous ces gens qui sont venus. Même des partis politiques, des associations. Vous êtes venus, vous avez montré au Cameroun que la diaspora ne peut pas tomber. Parce que la force d'un pays, c'est sa diaspora. Nous étions réunis tous ensemble. C'est le travail des fleurs de l'île. Moi, j'appréciais ça. C'était quelque chose de noble. Malgré ce qu'il faut voir quand je suis entré, maman, les cartes ont fait sensation, maman. Les cartes ont fait que Bouma Yaka, maman, j'ai dit que. Hey! Il fallait voir Tata Lolo TV, maman. Aïe! Il fallait voir comment. C'est l'ouragan, j'ai dit. Aïe! Maman, l'ouragan de ça. Toute la salle avait les photos, les appareils comme ça. Les... Maman! J'ai dit que maman, la stamania de ça. Et vous voulez me comparer avec les gens qui partent dans les soirées comme s'ils partaient au champ. Moi, je chantais comme une star. La reine met de l'hommage, les hommes étaient à côté. Que, maman, ma soeur doit là. Aïe, ya, ma soeur doit là, maman, la reine met de l'hommage. Aïe, maman, c'était gagné. J'avais mes deux de l'hommage à côté. Pisse, pisse là-bas, la reine met de l'hommage là-bas. Vous tentez, c'était grave. Les gens se sont levés que, hey, il n'y avait pas qu'on a dit que les cartes, oh, le, il n'y avait pas ça. Tada lolo, tada maman, ça repoyo. C'est le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Il fallait voir la opéra. La opéra d'Afrique, maman. Hey, aïe, tada lolo. Comment il m'appelle les nerfs pour vous vanter. La opéra. La opéra d'Afrique, maman. Je suis avec chanté. J'entends ma chanson de cœur. Bambi Power, maman. Hey! Oh, oh, oh. Oh, la reine galloise. Ah. Ma grand-mère m'a soutenu, ça parle. C'était grave. Je vois Emile, je ne l'ai même pas vu. Oh. Ma baisse. C'est dans les vidéos que j'ai même vu que toi qui est venu m'embrasser. Je voyais mon corps. Mes pieds tremblaient. Les dos de ça, le farotage de ça, Yamse, merci beaucoup. Je suis rentré avec quand même quelque chose. Les 100 euros ici. Oh. Les dollars sur. Précis, la cam a baissé les lifting aussi. Oh. Les. Maman, la soirée était bon jusqu'à. La soirée du siècle, maman. Je vais nommer la soirée du divorce. La soirée du divorce. Et nous avons les retombées des l'ouragan. Elles sont en train de pleurer. L'autre a sorti le menu du restaurant qui n'avait pas encore le bail. L'autre pleure, mastico. Elle pleure là-bas sur la deuil. Voilà, la chèvre qu'on a détachée, qui rôde partout. Elle a traversé le canal de l'enfance. Voilà l'autre qui est de l'autre côté. Elle a dit qu'elle est plus dans le clash. Elle a signé dans TikTok pour dire qu'elle n'est pas encore quoi. Elle a publié maman Lili. Elle a publié maman Lili. Ya! L'ouragan, c'est de vous frapper fort. Et nous attendons la sortie de mes soeur le vendredi à 20h. Nous serons assis là. Après, on va entrer avec vous. Vous avez promis la deuxième, troisième guerre mondiale. Nous avons gagné l'autre guerre. La troisième guerre mondiale, c'était samedi. Et nous avons gagné la guerre là. On ne fait pas la guerre du quartier. La guerre dont on lance les cailloux. Nous, tu as fait les missiles. Ouais, que maman. Les guerres du quartier, quand on lance les cailloux à route. Tu penses que tu as lancé les cailloux, ça c'est les guerres, mais ça c'est les clôtures du quartier. Nous, nos guerres, c'est avec les missiles, les poutines, il y avait les poutines, on prend les missions de bombarder ça. Voilà ça que vous avez vu samedi. Est-ce qu'on fait la question de guerre là? Avec les climats, ceux qui dorment sur les cartons, en bas des ponts en France, on fait la question de guerre avec vous. C'est quelle qualité de guerre? Oh, franchement, vous allez vous annoncer que la guerre mondiale, laquelle guerre mondiale, il y avait d'abord une première guerre, il y avait d'abord la deuxième guerre. Mais vous avez baissé les armes ici à cause de 200 euros. Regardez les gens comme ça, maman, les Romains. Les Romains qui dorment dans les métros là, ils disent qu'ils vont faire la guerre. Vous avez les moyens. On vous tape pas les 100 euros, on vous change le lendemain. Si ma soeur se fâche, elle vous donne 500 euros. Le langage va changer. Vous avez faim. Pourquoi vous mettez quelle guerre? On fait quelle guerre avec vous, ma? Vous avez les armes. Vous avez les missiles. Vous avez les missiles. Vous avez quoi? Rien. Les bras coupés, les bras cassés. Un gars, il veut faire la guerre. Si c'est pas encore que c'est les vraies personnes, hein. C'est dans les utumatum. Quand on dit que, oh, chien méchant, ils vont même pas lire, ils vont forcer ce chien méchant. Voilà, ils vont faire la guerre. Pourquoi la guerre? Quand on dit qu'on est qui en haut, que voici la zone de l'ennemi, vous allez lire comment? Quand on dit que voici ici, c'est la zone de l'ennemi, vous allez lire comment que ici, c'est la zone de l'ennemi, vous allez entrer dans le trou. On va faire quelque chose de guerre avec vous. La guerre de quoi? Hein?
Même pour lire, même la guerre de la famille française, vous pouvez faire avec nous. Si on dit que la guerre commence là, interdit de passer, là c'est la zone des ennemis. Vous allez lire. Nous on a gagné notre guerre. Les bras cassés, on a gagné notre guerre. La guerre c'était là. Et la télévision, nous avons rendez-vous samedi, dimanche. Nous avons une grande invitée à Tata Lolo TV. Connectez-vous massivement. Vous aurez le visage de l'invité de 2 heures avant l'émission. C'est comme ça. Mais en ce moment, l'événement, c'est moi, je suis dans ma télé. Est-ce qu'on cause quoi avec vous? Quand la troisième guerre mondiale de la mendicité, vous organisez les guerres quand vous voulez faire votre team. Quand vous voulez faire votre team pour insulter Mme Sœur parce qu'il y a les ennemis, il y a des gens qui n'aiment pas Mme Sœur, il y a des gens qui ne l'aiment pas, pour vous encourager, ils vont vous donner le choc. Faites des vraies guerres, des réalisations. L'autre a dit que si elle veut faire la guerre, moi, elle monte le dessus. Montre la vôtre à part de titre foncier. Monte ton titre foncier, on voit. Montre le titre foncier, on voit. On te montre pour nous. Donc, pour toi, après 100 ans d'Europe, t'as pas de trucs que tu as gagné. C'est un titre foncier d'un terrain de 5 millions, de 3 millions. Il y a moins pauvre, mais tu n'as même rien, dis donc. Tu n'as même rien. La guerre de la mendicité, les Ndjangouémé, hein? Les vraies guerres, c'est les réalisations. Tu réalises un projet comme Mayamse, elle a tapé, ça a pris. Tu réalises un projet comme ma télé, ça a pris. Même quand vous dites que c'est une télé qui les donne, ça donne. J'ai tué les grands invités. J'ai pris des mains. Le père créateur de la basse, Calibri Calibro. Vous avez vu l'effet que ça donnait. Vous avez vu l'effet de mon émission Calibri Calibro. Les personnalités du Cameroun regardaient cette émission. Vous avez vu le monde qui regardait l'émission là. Et Samuel nous avons fait une grâce, une grosse star. Je ne vous donne plus les noms. C'est ça. Je peux me vanter qu'elle marche à vous qu'en tant que blogueuse, j'ai reçu Petit Pays. Je me vante que j'ai reçu Petit Pays à ma télé. Je me vante. J'ai reçu Malos, le Viper. J'ai reçu Maman Catino. Je peux me vanter. À la télévision web, je peux me vanter. Vous avez reçu qui? Même pour aller faire les dons à Konegi, vous partez écarté. Dans les cellules de Konegi, vous écartez. On vous chasse là-bas. Au lieu de vous arranger, de faire la paix, pour mieux évoluer, vous voulez montrer que vous êtes King Kong. Et la sapate ose m'appeler désespéré. Et quand moi, idiot, n'avait pas gâté mon dieu. Je vais te classer dans le roi chez Pasto. Ma sans papier, j'avais un appartement à Paris. J'ai reçu les grands stars, Kaba Patini, les grands stars à ma TV. Même ma chambre, elle était à ma télé. Chantez là ici. Elle était à ma télé. Maman Katino était là. Les grands stars, les Bamalos, c'est donné. Tu peux me vanter. Malgré tout ce que j'ai reçu comme coup de poing là, j'ai pris les détails, les grands humoristes, elles étaient là. Comme la chèvre, tu étais là. Tu es venu watiser la watiser du Canada. Tu étais là, non? J'ai reçu Madame Fingon. J'ai reçu. Il y a encore du monde qui arrive. Regardez-moi les tintins comme ça. Vous allez parler aux gens. Tu as quel projet? Le restaurant avec le menu qu'on n'a pas compris l'emplacement. Maman, quand on dit que ben, j'ai un ami qui a dit que beaucoup vont rentrer fous. Hein. Bon, la folie sur Facebook. Elles sont en train de crier dans le noir. On va faire ceci, on va faire cela. Nous allons faire. Nous allons faire. Faites, allons voir. Donc, mes chers frères Camerounais, Louise Mima Camara, bonjour. Merci infiniment. Parce que c'est qu'il y en a beaucoup qui sont aussi venus voir Tata Lolo dans cette salle. Je vous remercie pour l'accueil triomphal. Je vous remercie parce que, à travers vous, j'ai compris que j'étais aimé dans le monde entier. Merci d'avoir encouragé la paix entre Mayamse et moi. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de bisous que Tata Lolo, nous sommes fiers de vous. Il n'y a que ça que j'entendais, restez unis. Même s'il y a quoi, ne vous affichez plus. Il n'y avait que ça dans la bouche des gens. Tata Lolo, nous sommes fiers depuis que vous vous êtes réconciliés. Vraiment, nous sommes bien. Vraiment, bravo comme tu accompagnes ta Mayamse. Je dis que je me suis même pas encore remise de mes émotions. Tellement c'était beau de vous voir ensemble dans cette salle. J'ai vu J.Point Remy Mone, j'ai dit oh que c'est beau. J'ai vu Karine Richeux, j'ai dit oh que c'est beau. J'ai vu beaucoup de personnes. J'ai vu des sœurs. J'ai vu des frères ivoiriens. Des sœurs maliennes. Des sœurs sénégalaises. Du monde.
On a, même pas, on a vu la prestation de nos artistes. Quand j'ai vu Sergio Polo, le chanteur de charme. Oh, Sergio Polo, c'est un grand artiste. Sergio Polo, ce n'est pas n'importe qui. Sergio Polo a un répertoire. Sergio Polo, c'est quelqu'un qui peut lever les foules. Maman, pardon, chantez bien. Ne vous levez pas, vous nous massacrez les oreilles avec les fausses chansons. Sergio Polo, je vais te faire un témoignage. Je dis que Sergio Polo te fait un témoignage. Quand j'étais au Cameroun, à l'époque, il n'avait pas encore mis mes pieds en bain. Tu as chanté la chanson que mes amis, ne vous menez pas le paradis. Les benguetés vous font rêver, mais ils ne vous disent pas la vérité. Maman! Ouais, Sergio Polo. Ah, oh, le type-ci. Le type-ci connaît ce qu'on appelle la chanson. Le chanteur de charme. Le gars te tient le micro. Tu écoutes la voix du gars. Tu vois comment les Camerounais devenaient fous. Non, dis donc. Sergio Polo, tu connais la chanson. Nathan Diwa, merde. Il y a Sergio Polo, il va Narcisse Price. Oh là là, Seigneur Dieu d'ici. Les Mani Bella qui ont mis le show. Vas-y, le sorcier, mais Sergio Polo m'a marqué. J'ai dit que toi, la salle, et ça on voit même Sergio Polo. C'était grave, l'artiste, il a mis le show. Solentine, ça, Magne. T'es un cadeau, mon bébé. C'est le don du ciel que Dieu m'a donné. Je sais que si tu n'es plus là, maman, je mourrai, je ne vive plus. La fête que j'ai pris pour t'écrire des poèmes a été toute trempée par mes larmes. Je n'ai même pas pu écrire un mot pour te dire que je t'aime. Nathan Diwa, mon kaou, Medima sera tiné. Oh non, pardon. Non, je dis que c'est le projet, tu seras mon mariage. Ouais. L'artiste est fort. Le gars nous a fait vibrer. Tu sentais que l'ouragan. C'est un problème de dialogue pour finir avec. C'est que la fin de l'ouragan, c'était avec Sergio Polo. La salle, la fin. Un boum, boum, boum. Pendant que ça m'a copié tous les dieux du monde. Que la salle là se renverse même sur nous. La sorcière là. Mais Dieu a fait grâce. Tout s'est bien passé. Je vous remercie infiniment. Merci au peuple africain. En particulier, c'est du Cameroun. J'appelle cette soirée la soirée du vivre ensemble. La soirée de la diaspora unie autour d'une seule personne. La soirée de la paix. La soirée de l'amour. La soirée du vivre ensemble. Merci pour votre déplacement. Merci pour... On doit continuer ça l'année prochaine. C'était trop beau pour s'arrêter. Revenez l'année prochaine. N'écoutez pas les petits conseils qui arrivent. Parce que quand vous organisez un événement comme ça, il y aura toujours les petites... puis voilà, tout n'est pas parfait dans la vie. Le plus important, c'est qu'on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. C'était bien. Elle m'a appelé ça à Vintan que c'était bien. La soirée du vivre ensemble. Parce qu'il y avait tout là-bas. Il y avait les patriotes, il y avait les camtos, il y avait l'homme du 6 novembre. Parce que Papa, c'est lui qui a pris le pouvoir. L'homme du 6 novembre. Il y avait les RDP6, il y avait les UMP, les Lizzie Gaëmpa, les filles Bassa, ma fille chérie, la plus belle fille de Bassa. Elle était là. Les libertés, les censures, les Washington, le monument. Tout ce monde là, c'était les Bamlékés ou. C'était pas les Bamlékés. Donc vraiment, j'ai vu les filles Bassa, la messeur de Kibi. La meilleure amie de Gilet Zombie. C'est une fille Bassa dans l'équipe qui vient avec son blanc. Maman, j'ai même trouvé mon cousin direct là-bas cette soirée. Que ça fait au moins plus de 8 ans, je n'ai pas vu mon cousin, mais mon cousin là-bas. J'ai même encore amené mon cousin qui est ici avec moi, il vient du Cameroun. Je l'ai amené à cette soirée-là. Sans oublier notre caméraman, on va s'excuser parce que nous on a des appareils, nous n'avons pas de téléphone. Nous on a des gros appareils. Donc quand il n'y a pas une forte connexion, ça ne va pas donner. Donc il avait vraiment des problèmes quand il arrivait au fond de la salle et on perdait la connexion. Donc voilà un peu voilà les petits problèmes qu'on a eu là-bas. Ben sinon, je veux remercier mon caméraman qui a fait le déplacement. N'oubliez pas aussi de soutenir la page. On nous a enlevé les étoiles. Il y a le PayPal, lolokameni@yahoo.fr. Vous envoyez le soutien pour la page. J'ai retrouvé du monde là-bas, maman. La seule personne que je n'ai pas vu, que je n'ai pas pu dire bonjour, c'est J.Remingono. Moi, j'aurais aimé vraiment dire bonjour à ce monsieur-là. Mais quand j'allais vers lui directement, il y a quelqu'un qui m'a attrapé dans le. Il y a Bertini qui était là. Hein? Il y avait les Amazones. Il y avait Julie Noé, l'autre esthéticienne de talent qui a travaillé pour cette soirée-là. Elle est située au 7 rue des Appelants, Paris 7e. N'oubliez pas mon code. Tap, c'est le lot 237. Vous gagnez 5 euros de plus avec mon code.
Nous avons fait des... Oh, moi, je suis même perdu, pardon. En tout cas, merci à tout le monde. Merci. Le Cameroun a besoin de ça. Nous avons besoin de cette paix-là. Nous avons besoin de se parler. On peut ne pas être d'accord sur certaines choses. Mais mes chers frères et sœurs, l'amour dépasse tout ça. Ce n'est pas peut-être parce qu'il y a peut-être des problèmes au Cameroun, les Camerounais vont se déchirer. Non, apprenons à nous soutenir. Même si nous ne sommes pas d'accord avec les réseaux sociaux, quand il y a une soirée comme ça, qu'on peut se retrouver, venons se retrouver, ça nous fait du bien. On évacue cette haine-là, on évacue cette colère-là. On va commencer à rigoler le lendemain, on va se dire que mais pourquoi on se déchire? La force d'un pays, c'est sa diaspora. Vous pouvez demander aux blogueuses que dénoncer, mais vous avez vu ce qu'on appelle la puissance d'une blogueuse. Même vous là, vous ne pouvez pas réunir, vous qui dites que vous êtes, vous ne pouvez pas réunir autant de monde. C'est le collectif des blogueurs, nous avons accompagné notre, la légende des réseaux sociaux qui est Fleur de Lille. Je l'appelle la légende parce qu'elle est là avant nous. Elle a plus d'expérience dans ce métier-là, dans ce métier du blog. Dicamère était là, le pasteur supérieur était là, Marc Larose, elle était là, j'étais là, le couple Messam était là, le couple Amod, ils étaient là, le couple Amod était là. Il y avait encore qui encore? Nivakin était là. Mini Minor était là. La femme qui fait... La femme qui a TikTok, elle s'appelle comment? Amman qui est là, qui a TikTok. Elle était là aussi, qui encore? Il y a une femme qui fait les vidéos à TikTok. Là, elle était aussi là. Donnez-moi un peu. Reine Biaï était là. Vraiment, là, il y avait des blogueurs hein, qui sont venus. René Star de Lille qui était aussi là. Nous avons travaillé derrière notre star. Et Boabala est aussi là. Quand je parle des blogueurs qui ont accompagné Mme Sœur dans ce truc, dans ce projet-là. Hein? Il y avait beaucoup de blogueurs. Shakiro est blogueur. Oh, big up à toi, Shakiro. Tata So, merci. Tata So était là. Tata So était là. Il y avait du beau monde. Pardon. Véronique Amas était là. Merci, Caro Bouen. Mini Mino était là. Vous voyez comment la maman des beaux gosses était là. Vous voyez comment là, on a pris le collectif des blogueurs. Ensemble, nous avons soutenu la légende des réseaux sociaux. Elle est la légende des réseaux sociaux. Moi aussi, la Nilatiti Web des réseaux sociaux. Chacun a son truc. Hein? La maman, nous, le collectif des blogueurs, vous avez vu ce que nous sommes capables de faire en diaspora. Alors, d'autres blogueurs, arrêtez de faire le gros dos. C'est vous qui voyez. Hein? Parce que moi, que vous là. Je n'appelle pas son nom, Zazijou. Voilà. Je n'appelle pas son nom. La reine galloise était là. La reine galloise était là. Oh, merci, Fleur Kungam. Merci beaucoup. Vraiment, c'était trop. Je n'appelle pas les noms des gens que je ne veux pas appeler les noms. Pourquoi vous forcez? J'ai dit que le collectif des blogueurs. Mich comme Evans, merci. Elle était là, notre soeur gabonaise. Elle était là. C'était beau. C'était beau de voir les blogueurs réunis ensemble comme ça, autour d'une personne. C'est ça qu'on appelle le vivant, c'est la solidarité des blogueurs. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Continuez à simplifier les blogueurs. Continuez à nous simplifier. Vous allez lire. Et celui qui va tousser sur la soirée de Yamseur là, et vous allez dire que c'est le parti politique de Yamseur. Nous sommes le troisième parti politique au Cameroun. Troisième. Hein? Il y a le MSI, il y a le RDPC. Le troisième parti politique, c'est les Yamseur. Vous tentez, on vous a broyé. On ne négocie pas avec l'ennemi. On ne négocie pas avec l'ennemi. Vous faites l'erreur, ça soit sur Achille Nicole et le blogueur Maïkle. Achille Nicole était là. Et Tatiana, j'ai oublié Tatiana Koni, la nouvelle blogueuse de Rouen. Lui, elle était là. La nouvelle blogueuse de Rouen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, ma âme sœur, je t'ai donné le nom de la légende. Je ne me suis pas trompé. Tu es une légende des réseaux sociaux. Et maintenant, ne te mélange plus dans la boue. Tu ne fais pas la guerre des cailloux. La guerre des cailloux. Tu ne fais pas la qualité des guerres là. Les guerres qu'on lance, c'est les cailloux. Si quelqu'un n'a pas le missile pour faire les guerres avec toi, fais-vous ignorer. Nos enfants vont répondre pour toi. Nos enfants vont répondre pour nous. Notre armée, parce que nous avons une armée, ils vont répondre à nos places. Ils vont bagarrer. C'est moi qui vais lancer le coup d'envoi. Moi, je suis toujours là. Guylaine Chapé, t'es là, mais elle a eu. Bon, elle va vous expliquer ça dans son live. T'as là, une minute pour le sinistre et la falaise de Tchang. J'arrive à commencer le direct. Une minute, mes condoléances à tous les morts.
C'est quoi, c'était l'écoulement, non, à la falaise des Tchamb. Vraiment, c'est triste, hein, de voir les gens qui meurent tous les jours comme ça. Merci, Congo TV. Puis c'était là. Puis était là. Donc, tu n'as pas vu. Caro Bouin n'appelle pas son nom. Tu as tous les problèmes. Je ne l'ai pas moi vu. Je ne le connais pas. La guerre des fonds, non, la guerre, même les foulards, la guerre des cailloux, maman, dit-on. Je dis que c'est les gens que Marie-Absol ne fait pas en guerre avec elle. Il suffit qu'elle envoie seulement 100 euros. 200 euros, la guerre est finie. Sur les Romains, ils ont toujours faim. Ouais. Alors, vraiment, merci à tout le monde. Merci à tous ces acteurs culturels qui ont mis la main sur le moulin pour que la réussite de cette soirée-là. Merci au manager Roger Dissakin. Merci à Guy Métan. Merci à Guy Alézan Mambo que j'ai vu là-bas. Merci à Ruth Gisèle Benguet. Merci à Cécile Dema. Merci à. Comment elle s'appelle encore? Elle s'appelle encore comment? La fille là. En tout cas, merci. J'ai vu tout le monde. Merci. Merci. Merci pour tout. Vraiment, c'était bien. La lionne était. Oui, la lionne était là. Elle était cachée dans le mois. La lionne était là. La lionne était dans la salle. Elle a seulement envoyé. Elle est rentrée le lendemain. Tu as dit Véronique, elle m'a vonvon. Ah, encore, on veut la bamoise. Était aussi là. Marie-Claire était aussi là. Ouais, même Linda Monnerie était là. Vraiment, merci. Hein, merci. En tout cas, merci à tout le monde. Vraiment, j'ai passé une très belle soirée. Ça sera la dernière. On va maintenant se concentrer à notre TV. Nous avons une invitée ce dimanche à partir de 19h à la Tata Lolo TV. Voilà. C'était trop bien. La dernière fois, c'était 200 euros. L'attaché était aussi là, non? L'attaché était là, mais c'est pas vrai. L'attaché, là, il est là, non. L'attaché ne cherchait plus les problèmes. Merci beaucoup, Marie-Claire. L'attaché était là. Il a tourné là. Il était beau, hein? Sa femme aussi, elle est belle. Un big up à Sylvie qui était aussi là. L'ancienne gagne la tâche. Je l'ai vu là-bas. C'est en bas. On a pris la vidéo. C'est ma copine. Moi, je ne suis pas les hommes avec une femme. Sylvie, c'est ma copine jusqu'à demain. J'ai dit bah ça. Même jusqu'à. On a bien pris la, vidéo avec elle, Sylvie là. Voilà, c'était l'ancienne gagne la tâche. J'ai même pris bien la photo avec elle. Maman, j'étais content quand je l'ai revu. Elle dit oh, Sylvie, c'est comment? Maman, la joie de ça. Maman, la tâche, c'est moi qui dit maman, toi-même, tu es un danger public. Attendez, j'arrête ma perruque. L'attaché a vu la photo, il me dit que maman, tu es un danger. Tu as pris la photo avec lui, j'ai pas remis comme ça. Tu as pris la photo avec Sylvie, que m'a vu, non? C'est quoi, j'ai un problème avec elle? C'est ma soeur camerounaise. On ne discute pas pour les hommes, maman. Est-ce qu'on discute les hommes? On discute pas les hommes. Vous êtes qui? Voilà une gare, l'idée gare est pas les bassades pour moi. Mais c'est une bambi pour moi, c'est ça qui est ça. Mano Sami, bonsoir. Vraiment, la soirée était très belle. Et j'appelle ici à nos followers de continuer à inonder les réseaux sociaux avec les vidéos de la soirée. Nous avons opération jusqu'à la fin d'année. Inondez les. Tu dis que. Inondez seulement les vidéos. Quand vous rappelez de l'entrée de mes soeurs, vous publiez. Vous vous rappelez quand elle dansait chez Shakiro, vous publiez. Vous vous rappelez quand le couple est message, vous publiez. Vous publiez toutes les vidéos, le couple à mot. Vous publiez tout. Ils vont seulement, on va se saouler avec eux. Oh oui, Flore Brésil était là. Rosine Mémi, c'est Rosine Mémi qui est cherchée. Merci à Rosine Mémi. J'ai vu Flore Kungam qui a beaucoup travaillé. Flore Kungam, elle a travaillé. Hein. Même prestige, la classe, vraiment. Les abeilles, elles ont soutenu vraiment le star. Hein. Ils ont beaucoup travaillé. Vraiment, c'est bien. En tout cas, merci à tout le monde. Merci au DJ Magellan qui anime très bien. Il m'a fait vraiment danser. Merci à toutes ces personnes-là. Vraiment, merci aux servantes qui n'ont pas démérité. Elles ont bien travaillé. Bon, bref, le reste, ma soeur va vous parler de ça. Bon, on va essayer de parler un peu de Balthazar. Normalement, dis pas la maman de Gogos, pardon. Balthazar, où je lance le dire de Balthazar demain. On lance le dire de Balthazar demain. Balthazar, il y a une affaire qui fait parler dans les réseaux sociaux. Je vais dire aux hommes, je vais m'adresser aux hommes. Momo Denise à sa soirée, non. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la page de la reine galloise, la reine des enfants différents. Le lien est épinglé sur ma photo, sur mon direct. On va remercier ici GPS, vraiment, qui a fait de très belles photos, comme la dernière que j'ai publiée aujourd'hui. J'ai vraiment adoré. Merci à tous les photographes. Vous m'avez prendre leur nom, je vais publier ça. On parle de Balthazar. Je vais parler de Balthazar. Je ne mélange pas. Ok, demain on va parler de Balthazar.
La maman de Bongo, fais un commentaire, je te prends un peu, dis vite, vite faire quelque chose. Je vais m'adresser aux hommes. Les hommes aigris. Les hommes jaloux. Balthazar, c'est un gars qui a le bon bâton. Il a le plantain de 2000. Et il a su utiliser le plantain de 2000. Je vois un gars comme aussi le charismatique qui vient faire les vidéos pour faire ça. Quel est l'homme qui n'a pas de fantasme? Soulève le doigt. L'homme qui n'a pas de fantasme, je vais vous vendre demain. Je vais vendre les hommes là demain. Je vais vous vendre demain. Je vais donner tous vos secrets aux femmes. Un homme vient se tenir, la vidéo, il appuie ses seins. Il appuie ses pectoraux. Vous appuyez vos pectoraux, vous n'êtes pas honteux. Il y a des hommes qui, quand ils veulent juifs, ils veulent comme la chèvre du Canada. Attends pour la mère de Bogos. La mère de Bogos, attends, je te lance la vidéo. Je t'ai ajouté la mère de Bogos. On va faire le dire. On fait ça demain. Ok, on va faire ça demain. Demain 20h. Je t'ai lancé l'appel à la mère de Bogos. Prends. Prends alors, Pat. Hé! Hey! Les Africains avec l'hypocrisie, maman. Vous venez dire que vous appuyez les tétons. Il y a des hommes qui veulent juif, qui veulent ben, comme la chèvre du Canada. Il y a des hommes qui juif, tu vois, même qui va mourir. Tu dis que tu vas venir mourir sur moi. Quand si tu n'appuies pas, c'est une banque fort. Il va pas jouir. Son malheur va pas s'élever. Si tu je vais vous vendre les mains. La maman de Bogos, renvoie l'appel, pardon. Renvoie encore la maman de Bogos, renvoie. Hey, vous n'êtes pas honte de faire la jalousie à Balthazar. Vous êtes jaloux de Balthazar. Vous dites donc, faites comme ça. Sur 100 hommes, il y a 70 qui aiment qu'on appuie les pectoraux. Leurs tétons. Il y a 70 qui adorent qu'on appuie les tétons. Vous n'êtes pas honte de vouloir dénigrer ces messieurs-là. Il dit s'il y a 100 hommes, il y a 70 qui adorent qu'on appuie. Quand on coupe, il dit que chérie, coupe mes pectoraux. Il te donne le coup, appuie fort. Appuie. Qui ignore que vous faites ça à la chambre? Qui ignore que vous faites ça? Quand on dit que maman, il dit qu'appuie mes mimbangs. Appuie mes mimbangs. Lolo, pardon. Il va vous tuer demain, vous êtes mort avec moi demain. Tata Lolo, laisse s'il te plaît, pardon. Je laisse. Mais la fille, tu es sérieuse. Voilà pourquoi les femmes maillot pendant que tu n'as pas vos maris. Pas vous laisser vous montrer que vous êtes trop sérieuse, hein. Que non, ne parlez pas de sauvagerie, ne parlez pas de ça. Les femmes que Balthazar Mbina, c'est les femmes de saison. La plupart sont les femmes qui portent le gant pour aller au travail. La plupart des femmes qui portent, elles portent le jupon en bas, elles portent le jupon, elles mettent la jupe en bas. Elles me montrent que le vent est pas leur fesse, elles mettent d'abord le jupon. Est-ce qu'on porte encore le jupon ici là? Les femmes là portent les jupons, elles mettent les jupes en bas, elles couvrent le corps, elles ne veulent pas exposer ses seins. Oh non, je suis une femme mariée, je n'expose pas mes seins. Dans le bureau, elle perd les cartes, maman. Tu dis qu'elle ne parlait pas de ça. Passez un peu mon téléphone, parce que ça ne passe pas. Je ne parlais pas de quoi? La plupart des hommes adorent qu'on appuie le tecto ici. Ils appuient. J'ai vu un autre ting-ting qui me parlait de Balthazar, alors que moi-même j'ai son sex-step ici. J'ai son sex-step ici. Il me voit comme un juif. Il est comme un porc qu'on vient de tuer. Il dit qu'il parle même de Balthazar. Tu parles aussi de Balthazar, pas? Quand tu vois le gars là en train de juif, tu vois. C'est comme ça, son visage est comme le seigneur qu'on a brisé. Il ne pas de battre ça. Vous êtes nombreux. On va finir avec vous. Quand il se bonsoir, ma 6. Ouais, la maman de Bogos, pas non, ma 6, ça n'est pas. Appelle-moi au téléphone. Appelle-moi en ligne, ma attends, ça ne passe pas. La maman de Bogos. La maman de Bogos. Regarde-moi les téléphones comme ça là. Tu dis que je ne parle pas de ça. Oh, vraiment, les femmes africaines. Vous voulez souvent montrer comme ça. Je dis que les femmes qui ont pas de grand pambina là-bas, elles mettent le jupon avec le gros caleçon. Tu la vois la main, elle porte le gros caleçon devant son mari. Hein. Non, mon mari n'aime pas qu'elle porte les strings. Le gros ballon qui attache les fesses. Après, elle met le jupon sur ça. Elle porte là, une grosse jupe. Elle met un gros haut. Elle met les lunettes comme ça. Elle met les lunettes. C'est une secrétaire. Elle pèse ça. Quand Balthazar passe. Elle suit Balthazar avec un papier en main. Comme si elle pas donné pour quelque chose. Elle ferme la porte de craque. Elle écarte ces grosses fesses-là. Et quand vous bouillez, vous voyez que Balthazar m'a fait de vous bouillir. Il a bien fait de vous bouillir. Je ne vais pas le suivre. Allô, Pat. Allô, Maya. Oui, non, c'est comment? Bonsoir. J'ai dit, Emma. Oui. Parfois, tu fais souvent les choses qui m'énervent, Lolo.
J'ai fait quoi? Toi, tu vas t'asseoir pour commenter les femmes qui ne connaissent pas le vestimentaire. Je t'ai dit. Tu vois une fille qui dit que qui se cache dans l'ombre pour dire que j'avais porté la robe de nuit. Elle ne connaît pas la différence entre la soie sauvage tissée. Ne parle pas. Parle de Balthazar. Parle de Balthazar. Il faut donner l'importance à ces gens de gens-là. Les gens qui viennent montrer leurs limites sur les réseaux. Bon, Lolo, tu sais quoi? Balthazar est venu. L'histoire de Balthazar, là, il fallait que je rentre dans le live en direct. Je ne sais pas pourquoi vous savez. Balthazar est venu nous montrer à quel point les femmes les plus rouloureuses ne sont pas mariées. Mais il faut qu'on se pose la question. Ma passion dans cette collection, pourquoi les femmes mariées sont rouloureuses? C'est elles qui, parce qu'elles sont les maris coincés. Voilà. Parce qu'elles sont les maris coincés. On met les petits doigts dans leur cul. Mais quand ils sont à la maison, ils veulent faire les anciens pères du temps de l'année marie. Balthazar a libéré beaucoup de femmes. Bien sûr! Balthazar a sauvé beaucoup de foyers. Je vous dis ici à tous les jours que le dehors arrange le dedans. Vous discutez. Voilà la preuve en devant vous que le dehors arrange le dedans. Balthazar a sauvé les foyers. Mais il faut savoir quelque chose. C'est que ces femmes, ce n'est pas les femmes affamées. Hein. Parce que j'ai vu quelque part que non, c'était pour. Ce n'était pas pour l'argent. C'est le genre de manzizi qu'une gamme n'est pas dit à sa compi que mal, le gars a quelque chose. Maman, le plantain de 2000, hein. C'est un plantain de 2000. Ouais, tu connais le genre de plantain qui sort seulement 6 sur le régime, non? Et il y a 3 grosses veines sur ça, maman. Hé! Hey! Tu peux voir ma part de Balthazar là ou non, maman? Ce n'est pas toi qui as besoin. Il y a une femme sur Facebook qui a besoin d'un Balthazar. C'est la chef du Canada. C'est la chef du Canada. Moi, j'ai envoyé le Balthazar, mais en plastique. Ça ne suffit pas. Il faut le vrai Balthazar. Balthazar, tu sais, Patricia, tu sais, c'est mieux qu'on parle de ça demain. Tu trouves comment? Parce qu'on va mélanger les directs. Oui. Demain, 20h, on relance. Là, on va voir comment on peut faire pour que tu interviennes directement sur le téléphone. Et quand tu penses, Lolo, que ce sont ces filles-là qui insultent les autres prostituées, une femme va encore m'insulter les prostituées. Je vais rentrer dans la. Le ventre de sa mère est ressorti. Non, Flan Kunga, le bangala de Balthazar est gros, man. Son bangala est gros. C'est gros et c'est long. C'est gros. Hé, Flan Kunga va bien regarder le bangala du gars là. Son bâton là. Maman, si le gars là met ça sur moi, il me dit que je vais marcher un film. Parce que moi, je suis d'abord que mon tonnerre bindi. Je vais marcher, je vais compter les pierres. Je vais dire, ok. Hé, tu as vu le tuer du gars là. C'est comme ça, maman. Et c'est gros, hein. Même pour mettre dans la bouche. Et on va faire ça demain, ok, Pat. Demain, on fait ça. On va faire le tir de Balthazar demain parce que j'ai beaucoup à dire. Mais je vais avertir aux hommes là. Les femmes mariées, venez ici, je vous invite demain. Les femmes mariées, vous êtes invitées dans ce direct demain. Quand elles vous disent tous les jours que c'est le dehors qui arrange le dedans, vous discutez. Le dehors arrange le dedans. Les hommes vous ont tant trompé. Je veux dire que quand une femme connaît le vice d'un homme, l'homme ne la trompe pas. Je veux dire que si un homme me quitte, c'est parce que je n'ai pas fait quelque chose qu'il aime. Je vous ai toujours dit ça. Le dehors arrange le dedans. Et j'ai interdit aux hommes de se moquer de Balthazar. Moussi le charismatique, ce que tu as voulu faire, je n'ai pas aimé. Tu fais une vidéo où tu avais des bouilles avec un gars, tu vas imiter. Toi-même, tu ne fais pas ça. Quand on te voit, on imagine quand tu joues comment tu es. Oui, il faut éviter de toucher la sensibilité, de faire que les gens vous parlent mal. Hein, parce que les gens qui m'énervent souvent, tu n'as pas le droit de te moquer d'un homme qui a fait en train de binda sanga. Parce que toi-même, tu le sais que chaque homme a un fantasme. Je connais les gars qui disent qu'on met le doigt. Hein. Les gars noirs sont plus pervers que les whites. Tu mets deux doigts. Si tu ne mets pas les doigts, sinon son chioul, son bine ne se lève pas. Et ils sont mariés. Hein. C'est pour ça qu'ils ont les tises à dehors. Parce qu'ils ne peuvent pas faire la suite, c'est demain. J'ai trop à dire. Hein? Non, même la comédie, la lune, ce n'est pas bon. Même la comédie, ce n'est pas bon. Mais ensemble, c'est pas bon. Il y a des trucs qu'on ne fait pas. Je te dis qu'on n'a pas fait la comédie sur Balthazar parce que ces hommes-là, vos femmes vous trompent parce que, suite demain, Balthazar est un bon bangala et il a utilisé ça. Il n'a violé personne. Et Balthazar n'a pas affiché une femme. Il a fait ce que les hommes, tout le monde aime faire. Même moi-même, j'adore faire les sex steps. J'adore ça, le feu sort. Ce n'est pas un crime. Chaque homme a un vice.
Il y a les hommes qui ont le même le deux dons, tout comme ça, ils ont le même les gaudes. J'en connais ceux qui ont les gaudes dans la maison. Donc si je mets pas le gaudes derrière son Dieu, il s'assoit, il ne se sent pas bien. Il y a des gens qui appuient mes tétons, tu appuies. Maman, il y a l'autre qui a failli arracher mes mandibules un jour. Il dit qu'il aime qu'on chope son plomb, on arrache le boule avec les dents. Maman, j'ai dit que mon frère, c'est tout le bon bangala que je suis comme cela. J'ai chope ça, chope, j'ai commencé à s'aller comme ça. J'ai dit que, il dit coq, je coquais, je coquais, je coque, je coque. Il dit coq encore, il dit que, hé mon frère, comment? Ouais, c'est bien à toi coquer, non? Coq, coq, tu coques, tu coques. Maman, j'ai, quoi? Vous connaissez ce que mon mari a fait ici dehors? Vous connaissez ce que mon mari a fait ici dehors? Il n'est pas pop dédié, le conforme à Bazaza, pop dédié, ce n'est pas la même chose. Bazaza n'est pas pop dédié. Hein? Bazaza n'est pas pop dédié. Bazaza, il dit coco, je coco. Et Amérique, elle tient mes couilles. Elle tient mes couilles, elle tient fort. Après, comment fait? Quand il vient, il fait mais, il dit qu'on va passer la chèvre du Canada dans la maison aussi. Mais, moi, il fait quoi la chèvre du Canada? Mais. Vous savez ce qu'ils ont pour là? Ou quand tu vois, tu jures. L'autre, quand il vient, il fait. Il va faire. Mon frère, il avait mouru. Ouais, parlons de. Il y a les gens quand tu es là, il va là, tu fais. C'est que mon frère. Ouais, ouais, ouais. Il y avait un autre là, quelqu'un impinait, et puis lui est mal. Quand il veut agir, mes gars, c'est mal à les yeux, même pas qu'il me serre le cou. Oh, ma, il fonce son regard, si oui, quoi. Je dis, hé, mon frère. Ouais, ouais. Ils sont en train d'imiter Bazaza, que Bazaza fait comme ça là. C'est là où il sent son goût, c'est là, c'est ici qu'il excite. Vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça que c'est ici qui vous excite. Ici là, vous êtes. Vous... Il y a le gars, il me dit que. Aïe, 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 maman, aïe, maman, frère. Les hommes, hein, vraiment, si tu vois les hommes dans les chambres, tu vas me dire que yay! Aïe, maman! Aïe, maman! Aïe, aïe, aïe! You, mon frère! Ouais! J'avais un ami blanc là qui pleurait souvent. Chérie! Mon frère! Bah, de moi, appelle Bazaza, pardon. Vovo Simit! T'as été à côté, vous êtes marché comme ça là. T'as le congé pour abonner. Je dis que la reine est le mariage d'un zombie. Elle est où? Ma camarade lui est morte de l'île aussi de plein. Vos maris font comment? Appelez, vous voulez dire ça comment vos maris font? Ils font pas comme ça. Donc te pleure. Ouais, tu as pisé les femmes là, gars. Hey, j'ai vu le banga de Jola. Comme la fille qui a les grosses là, qu'on dit que c'est Kamé Sama. Maman Angala a encaissé. Il vous prie, la vie est facile. Il faut le voir là-dedans. Quand tu portes un peu au corps, on voit tes seins. Les bordels. Alors, quand ils sont les vrais, les grosses pineuses. Les waka internationales. Il vous a loupé. Bazaza vous a loupé. Il vous a bien piné. C'est comme vos maris là ne font pas. Il a fait ça sur vous propre. Il fallait le voir. L'autre, il y a une autre là qui a sucé le baril. Le baril qui m'a dit, voici une bordel cachée. Elle fait la gorge profonde, mon frère. Il y a la fille a pris le gros truc là. Elle a mis ça jusqu'en bas. Elle a le couturier là, non. Bon, on ne voit pas demain.
Je vais relancer demain à 20h. Oh. Il va trahir tous les gars que Yannias avec qui parle de Balthazar. J'ai vos vidéos, hein. Moi, je fais le sexe avec vous. J'ai vos vidéos. Oui. Et il n'y a pas un gars que je bouille avec lui qui ne fait pas la vidéo. Jamais de la vie. Pourquoi dire que c'est mon fantasme, mon nom? Est-ce que je me cache? C'est mon fantasme. J'adore filmer. Moi, je suis Balthazienne. Je suis Balthazienne. Il est Balthazar. Moi, je suis Balthazienne. Donc, quand il vient me dire que tu y as mon talolo, gars, on va faire le sextape. Il va avoir le souvenir. Que quand il pense à toi, même pour ça sur l'angle de la chambre, je regarde. J'aime me voir comment elle pleure. Mais moi, quand il veut jouer, je pleure seulement le goût de ça. Je pleure, les larmes coulent. Donc, pour vous là, vous continuez, mais c'est pas on m'entend me voir. Il y a un qui fait. Il t'attache sur le lit comme si. Ouais, Caïbo. L'attaché, c'est ma pitié, l'attaché, je vais mettre sa part. Moi, je suis Balthazienne. Parce que moi, j'ai les vidéos. Maman, j'ai les vidéos. Oui, je ne manque pas. Tu passes sur ton talon, tu vas, je vais te prendre la vidéo. Je suis Balthazienne. Je ne manque pas, j'aime ça. Donc, je vais défendre mon patron. Je vais défendre mon patron. Hé, ma chèque. Moussi, le Kaïmassi, mais vite, toi, je t'aime beaucoup. Hein. Chaque moment que c'est la comédie que tu fais, même vous-même, là, quand vous bidez, je que. Attendez, demain, au revoir. Vous m'avez pardonné le choco. J'ai le PayPal, Lolo Kamenia, au bas, 0.fr. Ouais, Vovon est là. Vovon, tu étais où depuis? Mamie Congo, ça paye le lion, bonsoir. Merci d'Embala, bonsoir. Vovon, tu étais où depuis? Ouais, FM Bombis, t'as dit ta coutèze là. Ah, vite, c'est pas comme ça, ma petite chérie. Merci, quoi, la mère, t'as fait ta lolo. Appelez-vous comment vos gars font. Non, payez le nom, pas, pardon. On a fait le direct de la soirée, on va faire le direct de Balthazar demain. Non, je suis fatigué, ma. Ouais, Mich, je suis fatigué un peu plus. Je suis fatigué. Steve, Esther, comment tu vas, ma fille chérie? Shine, Kali, la douce, non, je suis fatigué, pardon, ma mère. Je vais faire le dire de Balthazar habillé de même comme une coyote. Je vais mettre l'habillement des femmes sexy comme Balthazar aime. Je vais m'habiller comme ça. Je vais vous dire comment vos hommes la font avec les waka. Avec les femmes mariées. Je vais vous dire aussi aux mariés comment vos femmes font avec Balthazar. On va dire que demain, hein, c'est du sale. Ça va faire du sale, c'est la sensibilisation. Hein. Maman, on dit qu'il y a des influenceuses parmi. Elles vous prient. Quand vous leur voyez là, vous les enviez. C'est des bordels. Il y a des bordels dedans, ils sont pas tous, ils vont dire que oui, j'ai une boutique cosmétique. Et tu as pris l'argent où pour faire la boutique cosmétique, ma. Hein? Tu as pris l'argent où pour faire la boutique cosmétique. Elles partent vendre leur corps chez les Balthazar. On leur bouille pour 10 millions. On leur bouille pour 5 millions, la plupart. Oui, je suis une femme Balthazar. Je suis Balthazar, ma. Et vous ne manquez pas. Et pas les gars, la vidéo, propre. Ça ne choque pas. Voilà. J'ai la vidéo, eux même ils ont ma part. Et je sais plus comment avant que tu étais en couple, tu partais, ma paix, partais pour toi. On voit comment tu fais, je vois, on voit aussi comment je fais. Bonne nuit, non? Dimbindi, bonsoir. Aurélie, bonsoir. Bon, bonne nuit, non. À demain. Merci de m'avoir suivi. Demain, on va faire ça. J'attends vos étoiles, non. Inès Techa, bonsoir. Je laisse alors. On m'a dit que le pasteur est en direct. On va aller faire le. On va aller clasher là-bas chez le pasteur. Kema, con, bonsoir. Vraiment, bravo, Mayam Sœur. Je vais finir ce direct en te félicitant. On veut dire tu es une femme déterminée. Tu es une femme courageuse. Tu es une femme forte. Vraiment bravo à toi, mes félicitations, ça me vient du cœur. Hein. Tu es une fille très 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 courageuse, vraiment tu fonces beaucoup, tu as beaucoup d'énergie, mais il faut vraiment que tu te reposes parce que tu t'es vraiment battu, tu as trop travaillé. Félicitations à toi et à toute ton équipe. Un big up aussi à
à Doudou qui t'accompagne tous les jours. J'ai beaucoup aimé parce que avant la fin de la soirée, elles sont venues me voir pour me demander comment ça s'est passé, si j'étais satisfaite, si j'étais contente. Elle est venue avec une de tes soeurs là, je me rappelle. Ou c'était Flor Kungam, je crois Flor Kungam, mais vraiment ça s'est très bien passé. Vraiment félicitations et continue comme ça. Voilà, continue comme ça. L'année prochaine, nous serons toujours là. Nous allons t'accompagner. C'était trop bien. Vraiment, tu as réussi. C'est que même les hommes politiques ne sont pas capables de faire au Cameroun. Vraiment, parce que avec la haine depuis 2018, il y a une haine qui s'est abattue dans les réseaux sociaux. Je pouvais plus croire que les Camerounais peuvent se retrouver comme ça dans un endroit sans qu'il y ait des disputes, sans qu'il y ait des palabres, sans qu'il y ait vraiment que les Camerounais je n'aurais pas cru que les Camerounais peuvent se réunir encore dans une même salle malgré leurs différents, malgré les opinions différentes politiques, malgré les clashs, malgré toutes ces choses. Nous, tu as réussi à réunir ces gens-là. Et même les hommes politiques aujourd'hui ne sont pas capables de le faire. Vraiment, sois fier de toi et encore bravo. Bravo. Vraiment. C'est quelque chose de... que je n'oublierai jamais. Vraiment. Et je pense que la diaspora avait vraiment besoin de ça. La diaspora avait vraiment, vraiment besoin de ça. Qu'on se retrouve, qu'on danse ensemble. C'était bien. Mes félicitations. Bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner sur la page de la Reine Galloise, la Reine des Enfants Différents. N'oubliez pas mon code promo de PayPal, Lolo237. Pour la première fois que vous utilisez l'application, avec mon code pour mon Lolo237, vous allez oser 5 euros de plus. Encore mes condoléances aux familles des victimes de l'écroulement de Tcham. Vraiment, c'est triste, mais on ne peut pas se battre avec la nature. Ces genres de trucs-là, c'est parfois les colères de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Il n'y a que les connaisseurs, ils peuvent vous expliquer pourquoi il y a des écoulements de terre comme ça, je ne sais pas trop. J'ai vu ça, ça m'a rendu vraiment triste. J'ai dit aux Camerounais aussi de vous mobiliser derrière Viviane. Ne même pas seulement vous arrêter sur Viviane. Les artistes camerounais ont besoin de vous. De continuer. Et puis je suis contre les personnes qui disent que la diaspora n'encourage pas la musique camerounaise, c'est faux. Les Camerounais, la seule diaspora qui encourage les artistes de leur pays, c'est la diaspora camerounaise. Parce que quand on organise des soirées, ils sont invités, ils ont un cachet. Les Ivoiriens remplissent le palais de sport, mais combien de fois ils viennent en Europe prester? Il y en a peu. Donc nous, on fait déjà beaucoup pour la culture. Voilà. Et on se dit à demain. Bonne nuit à tout le monde. Si je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un, excusez-moi, merci de m'avoir suivi. Ah, ouais, il y a Gloria, lui, qui était là. La soirée l'avait vraiment réussi depuis samedi. Je suis toujours en train de regarder. Comment tu vas, ma fille Gloria Luis? Tu vas bien? Un big up à toi. Et Yamson attend ton direct vendredi à 20h, comme l'était prévu, comme tu as annoncé sur ta page. Donald Trump a gagné. Je vois ça à la télé. Didi, Dibindi Bakandou, bonsoir. Un vieux faux profil. Angela Zeta, bonsoir. Demande-nous bonsoir aussi. Elle est partie au Cameroun. Allez, je vais bien t'attendre. Je vous laisse, non. Lolo était là. Carole Bouen, non pas Carole Bouen. Lolo vous dépasse et encore disparu. Ma fille là. René Star, tu étais très belle à la soirée. Ne réponds plus à personne, tu étais très belle. Et tu es une belle âme. Moi, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. D'accord, ma puce. Shakiro, j'ai aimé faire la fête avec toi. Bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Restons dans la paix. La paix est bien. La paix est bien. La paix est bien. On est ensemble. Et merci d'avoir partagé. Vous savez que mes pages sont restreintes, mais vous étiez nombreux. Merci. Zougué, ben me coupe tout.
quand ils vont dire que j'ai le PayPal pour soutenir la télé. Lolo Kameni@0.fr. Parce que depuis des mois, Facebook ne me paye pas mes étoiles, il ne me paye rien. Il ne me donne pas mon argent. Bon, on se bat. Jackie Fouche, merci. Allez, bye bye.